Nous sommes aujourd'hui devant la Réserve Paris, un des palaces parisiens avec lequel nous avons travaillé récemment dans le cadre du MBA spécialisé Luxury Communication and Strategies pour une étude de cas qui s'est déroulée dans des conditions particulières en ligne et en période de post-confinement. Nous avons eu pour mission de trouver une nouvelle stratégie pour accroître la visibilité du bar Le Gaspard et du restaurant contemporain La Pagode de Cosse qui appartiennent au palace parisien La Réserve Hôtel Paris & Spa. L'axe en fait, qu'on a vraiment voulu toucher à travers le développement de ce projet-là, on est parti vraiment en fait, de leur côté très confidentiel. On a voulu en faire vraiment une force. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de jouer sur déjà les codes de l'hôtel. La grande porte rouge, qui est quand même l'emblème principal de cet hôtel, et le numéro. En fait, on a voulu créer le Club 42, qui est donc le numéro de rue de l'hôtel. Et on en a créé en fait un événement un peu privé sur lequel on a teasé sans donner aucune info, donc que ce soit au départ aux journalistes ou au grand public. On voulait vraiment créer un mystère autour de ça. Je trouve personnellement que c'est vraiment une des parties des plus intéressantes du MBA dans le sens où en fait on rencontre des vrais professionnels du milieu du luxe, des professionnels qui ont envie aussi de travailler avec nous et qui nous proposent des problématiques qui sont réellement concrètes, qui sont appelées à être réalisées par la suite, ce qui nous permet vraiment de nous projeter et d'avoir vraiment une impression qu'on est déjà dans le bain, entre guillemets. C'est un super projet, tout comme toutes les autres études de cas qui contribuent à un projet pédagogique fort, professionnalisant et très formateur, avec une vraie montée en compétences pour nos étudiants.